tous mes péchés sont salés à laver. Tous mes péchés sont salés à laver. Tous mes péchés, alléluia, tous mes péchés sont salés à laver. Tous mes péchés sont salés à laver. Tous mes soucis, alléluia, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Tous mes soucis, mon sauveur les a pris. C'est à la croix, amen. C'est à la croix qu'il a l'autre à l'épreuve. C'est à la croix, c'est à la croix qu'il a l'autre à l'épreuve. L'éternité, l'éternité, alléluia, l'éternité, où va-t-il à passer, amen. L'éternité, l'éternité, alléluia, l'éternité, où va-t-il à passer? L'éternité, l'éternité, où va-t-il à passer? Jésus t'attend, alléluia, Jésus t'attend, oh viens à ce moment. Alléluia, Jésus t'attend, oh Dieu, à ce moment. Jésus t'attend, oh Dieu, à ce moment. La parole de Dieu, psaume 148. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Et je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, les décès périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son esprit à l'esprit à l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse les voies des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Amen. Merveilleux, Jésus est pour moi, alléluia. Conseiller, Dieu puissant, prince de la paix, il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi.
Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveille mon sauve, mon Dieu, mon roi. Tu es merveilleux, notre Dieu, tu es glorieux, tu es précieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu es, mon sauveur, bien-aimé Père Tissant. Admirable et conseiller, mon sauveur. Nous te disons encore merci encore pour ce jour que tu nous donnes. Combien nous te disons merci pour la vie, Père Tissant Dieu, le souffle que nous avons, pour la joie de voir être encore dans ta maison encore ce soir, pouvoir chanter aussi les chants de Sion ainsi. Mon Seigneur, bien-aimé Père Tissant, nous te disons encore merci. Merci d'être avec nous, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta fidélité. Merci encore pour tes compassions. Merci encore pour ta miséricorde, mon Seigneur. Nous l'avons entendu et lui encore, bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es un Dieu miséricordieux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Là où la colère est vraiment riche en bonté. Aide-nous à être semblables vraiment à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. À être comme tu es, comme tu as dit, tout disciple accompli sera donc comme son maître, mon Seigneur. Nous voulons suivre tes pas et nous voulons avancer avec toi. Nous voulons vraiment te servir encore et davantage encore dans ce temps où nous sommes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons pas tenir cas de notre vie, bien-aimé Père Saint-Dieu, mais nous voulons tenir cas, Père Saint-Dieu, de ce qui te plaît, ce que toi tu veux, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour cette soirée, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et la joie que nous avons va être rassemblée avec ton peuple encore en ces lieux, Père Saint-Dieu, et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion dans différents pays, qui soient aussi bénis, mon bien-aimé Père Tibissant. Oh Dieu, c'est un jour de grâce où nous rassemblons, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que nous savons que bientôt, très bientôt, nous rentrerons à la maison, Seigneur, et tu es le roi qui nous a fait la promesse, bien-aimé Père Tibissant, et nous sommes rassurés parce que tu vis, Seigneur Jésus. Père, nous ne serons pas découragés, bien-aimé Père Tibissant, mais chaque jour qui passe, bien-aimé Père Saint-Dieu, nous sommes fortifiés par la foi, en sachant que tu es le Dieu qui veille sous ta promesse. À toi, bien-aimé Père Saint-Dieu, sur ta parole, mon sauveur. Merci pour le sens des cantiques encore ce soir, mon bien-aimé Père Dieu. Nous te remercions, mon bien-aimé Père Tibissant, pour chaque cantique qui a été chanté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui entend et qui voit aussi le cœur, qui te chante aussi, bien-aimé Père Tibissant. Louange et honneur à toi pour toutes les merveilles que tu as accomplies encore parmi nous, encore en ces temps, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous voulons continuer vraiment la marche avec toi. Nous te supplions, Seigneur, de venir encore nous conduire, nous éclairer encore davantage, mon roi. Nous soutenons encore davantage, mon bien-aimé Père Saint, afin que nous puissions nous sentir aussi, oh Dieu, au plus profond de nous-mêmes, Père Tibissant, Dieu, être restauré par toi, mon bien-aimé Père Tibissant, Dieu. Oh Dieu, que notre foi puisse encore être vivifiée, bien-aimé Père Saint, Dieu. Que nous nous sentions vraiment avec toi, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Agis et dis seulement un mot, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Tu verras que notre intérieur à nous, bien-aimé Père Tibissant, se rejouera encore davantage, mon roi, et prenant encore la force, bien-aimé Père Saint, Dieu. Nous sommes à toi et nous te désirons encore. Et davantage encore, bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es venu pour libérer les captifs, mon bénémoine Père Tibissant Dieu. Donner la victoire et la vie, bénémoine Père Tibissant Dieu. La santé aussi, bénémoine Père Tibissant, à tous ceux qui sont à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Tu l'as dit, je veux que tu prospères en tout temps. Tu sois aussi en bonne santé, bénémoine Père Dieu. Merci pour mon frère et ma soeur aussi, bénémoine Père Saint-Dieu. Nos enfants, nos petits-enfants et ton peuple encore, bénémoine Père Dieu. Merci pour ce que tu as fait, pour le psaume, mon bénémoine Père Saint-Dieu, pour le chant. Merci pour mon précieux frère Zachier que tu as soutenu, bénémoine Père Dieu, et fortifie aussi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je t'en suis vraiment reconnaissant, mon bénémoine Père Tibissant, pour ce soir, mon roi. Qu'il soit béni, mon bénémoine Père Dieu, et fortifie aussi, bénémoine Père Tibissant. Je t'en supplie, soutiens-les et fortifie-les encore davantage, mon roi. Nous te remercions pour ce soir, ce que tu as fait pour lui, bénémoine Père Saint. Mon âme te loue et te glorifie encore, bénémoine Père Tibissant. Tu es le soutien dont nous avons tellement besoin. Seigneur Dieu, un secours, mon précieux Seigneur et Sauveur, qui ne manque jamais autant de très bénémoine Père Tibissant Dieu. Nous comptons sur toi et nos yeux sont fixés véritablement sur toi, mon bénémoine Père Saint Dieu. Voyant les merveilles que tu as accomplies encore parmi ton Père, mon bénémoine Père Saint Dieu. Tous les bienfaits, oh Père Tibissant, louange et honneur à toi. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton amour et ta bonté, Seigneur Dieu, pour tous nos frères et sœurs et à chaque lieu, à chaque endroit où ils sont, Seigneur. Merci. Pour toutes les portes que tu ouvres encore aujourd'hui, mon sauveur, et ton peuple a besoin de toi et nous avons tous besoin de toi. Nous te remercions, sauveur. Merci, sauveur. Louange et honneur à toi. Merci. Merci, sauveur. Oui, tu l'es, Seigneur. Tu n'as jamais été absent, mais toujours présent, mon sauveur. Que mon frère, que ma sœur ne décourage point.
Tu as dit, fortifie-toi et prends courage, mon roi, qu'aucun ne puisse se décourager, bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que tu vis, Seigneur, et fortifie ton peuple, mon roi, et soutiens. Gloire et honneur à toi. Merci, merci, mon Père. Nous sommes fortifiés par ta présence et par ta victoire et par ta vie, Seigneur, et par ta parole, mon bien-aimé, patissant pour tout ce que tu es. C'est merveilleux de pouvoir t'avoir, mon sauveur. C'est glorieux, mon roi, mon bien-aimé, mon Seigneur et mon Dieu. Souviens-toi de ceux qui sont fidèles à toi, comme tu as dit, rassemblez-moi mes fidèles, tous ceux-là qui t'aiment et qui sont sincères et vrais, Seigneur. Et ton nom soit béni, ton nom soit loué, soit exalté, mon bien-aimé Patricien. Tu connais le cœur de chacun d'eux, mon bien-aimé Patricien. Nous te disons merci pour cet amour merveilleux, Père Dieu. Oh, que ton nom soit exalté, mon sauveur. Merci. Merci, mon Père. Béni soit ton Saint-Nom encore ce soir. Je t'aime, mon Jésus. Merci. Merci. Nous te disons merci. Pardon, Père. Merci encore. Merci, Père. La victoire et la vie. Nous l'avons, mon sauveur béni. Nous te disons merci, Père, pour tout ce que tu fais. Gloire et honneur à toi. Merci, mon Père. Merci. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce étonnante, reçois-moi louant. Tu t'es dans ton temps sans fin pour te dire merci, reçois-moi. Béni les malades, toutes choses à ma vie, reçois ma gloire. Qui connaît mon cœur, que de l'impossible, reçois. Alléluia, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, mais je t'offre, oh mon sauveur, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu connais nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Que pourrais-je te donner, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour toutes tes merveilles et tes bontés, bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous voyons dans notre vie, mon sauveur. Nous ne pouvons que te dire merci. C'est vrai, 10 000 langues ne peuvent suffire, oh Dieu, pour te dire merci, sauveur béni. Louange et honneur à toi. Honneur à toi, toi qui es le Dieu de l'impossible, qui fais vraiment de merveilles, mon sauveur. Notre âme est attachée à toi encore ce soir, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu es vraiment Dieu, Seigneur.
Tu fais des merveilles dans notre vie, mon Sauveur. Mon âme ne peut que te louer encore ce soir pour ta grâce d'être dans ces lieux, dans ta maison, Père Dieu. Je prie pour tous nos frères et sœurs que tu nous as donnés, qui sont en connexion, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toujours là, connectés pour pouvoir te louer, pour pouvoir aussi entendre ta parole à toi dans chaque pays où ils sont, Seigneur Jésus. Seigneur, ils sont attachés à leur assemblée, à ta parole à toi, mon Sauveur. Et tu as fait de nous un peuple, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est ton peuple à toi, mon Sauveur. Toi qui connais mon cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, tu es vraiment le Dieu qui fait des merveilles, qui est le Dieu de l'impossible, mon Sauveur. Sois exalté encore ce soir, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta grâce et tes compassions à notre endroit, Sauveur béni. Les mots nous manquent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comment te dire merci encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu. Même au travers des chants et des cantiques, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, les mots nous manquent, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Pour t'exprimer cet amour que tu ne cesses de pouvoir déployer à notre endroit. Et ta bonté à notre endroit. Tes merveilles à notre endroit, mon bien-aimé Seigneur et Sauveur. Tu es le roi que nous aimons, mon Sauveur. On ne peut pas se lasser de toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Peu importe la tempête, mon bien-aimé Père Tubissant. Peu importe les orages, mon bien-aimé Père Tubissant, Dieu. Peu importe les secousses, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Peu importe, Père Tubissant, les chutes dans les chemins, dans la marche, mon Seigneur. Nous avons besoin toujours de toi, mon Seigneur Jésus. Nous avons vu combien tu as toujours été bon. Tu as toujours été merveilleux, Seigneur, pour mon frère et pour ma soeur. Et pour chacun de nous, bien-aimés, Père Tubissant, qu'est-ce qui pourra nous séparer de toi, mon bien-aimé, Seigneur Jésus? Merci encore pour ce que tu es, Sauveur béni, de s'être fait connaître à nous, bien-aimés, Père Saint. Merci encore pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci encore pour ta patience à notre endroit. Tu as toujours été patient, mon Sauveur, et nous supportant, bien-aimé, Père Saint-Dieu. Oh, Père Saint-Dieu, merci parce que tu n'as pas regardé à nos faiblesses, mon bien-aimé Père Tubissant, mais Seigneur, tu as toujours regardé à ce que toi tu as fait. Rends-moi semblable à toi aussi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nous puissions avoir ce que tu es, mon bien-aimé Père Tubissant. À vivre vraiment comme toi tu veux, Seigneur Jésus, oh Dieu, c'est le désir le plus profond dans notre cœur, le désir profond dans notre âme, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous allons persévérer en toi, mon bien-aimé Père Tubissant. Ah, jusqu'à ce que l'étoile blanche du matin puisse vraiment s'élever dans nos cœurs, mon roi, et que ta lumière puisse se répandre encore davantage, mon roi. Je te loue de tout mon cœur. Tu es celui qui nous guérit de toutes nos maladies, Seigneur. Tu es la solution à tous nos problèmes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Apprends-nous à pouvoir nous approcher de toi de la bonne manière, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en toi, mon Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous approchons de toi avec beaucoup d'assurance et de certitude. Nous te disons merci encore ce soir, mon roi. Louange et honneur à toi, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Toi qui es le Dieu d'Abraham, mon bien-aimé Père Tubissant. Toi qui lui as donné une postérité à un homme qui était avancé en âge et un vieillard. Et aussi à une femme stérile, mon bien-aimé Père Tubissant. Jésus-Christ, mon roi. Qu'est-ce qui peut être impossible à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu? Tu as qu'à appeler Lazare, un homme qui était mort pendant 4 jours. Décomposé, bien-aimé Père Tubissant. Il était pourri, mon roi. Mais tu as crié, Lazare, sors! Et Lazare est sorti, mon roi. Nous te disons merci encore, mon Sauveur. Tu es celui qui peut rajeunir ton peuple, mon bien-aimé Père Tubissant. Celui qui donne encore la force et la santé dans nos muscles, mon roi. Il rajeunit aussi nos cœurs, mon bien-aimé Père Tubissant. Oh Dieu, qui rétablit, Père Tubissant, oh Dieu, le système, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Dans le corps, Père Tubissant, de ceux qui sont affaiblis, mon roi. Louange et honneur à toi, l'auteur de la vie, l'auteur de la force, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. La puissance t'appartient, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. C'est toi qui as créé les organes, tu as créé les sangs, tu as créé, Père Tubissant, le cœur, tu as créé les yeux, mon bien-aimé Père, oh Dieu. Tu as créé les reins, tu as créé le muscle, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Tu as créé, Père Tubissant, la fécondité, mon bien-aimé Père, c'est toi qui rends la femme féconde, mon bien-aimé Père Tubissant, oh Dieu. Tu n'as pas créé la stérilité.
fécondité, bénévole Père Tibissant. Tu as fait que la femme soit féconde, mon bénévole Père Tibissant. Que l'homme aussi, bénévole Père Saint-Dieu. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais. Oh Dieu, fais de nous aussi, bénévole Père Tibissant. Oh, des flammes Père Tibissant pour toi. Des joyaux pour toi, bénévole Père Tibissant. Des hommes et des femmes rapides de l'Esprit Saint, comme ce jour-là, bénévole Père Dieu. Étant enflammé de toi, mon bénévole Père Saint-Dieu. Seigneur, oh Dieu, que les ailes ne puissent pas diminuer, bénévole Père Tibissant. Que la flamme ne puisse pas diminuer, mon bénévole Père Saint-Dieu. Que soit toujours là, attisé, mon bénévole Père Tibissant. Brûlant davantage, mon bénévole Seigneur, oh Dieu. Oh Père Saint-Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui nous soutient aussi, mon bénévole Père Tibissant, Dieu. Nous voulons te revêtir à toi. Revêtir au Christ, mon bénévole Seigneur et Sauveur, bénévole Père Dieu. Et avoir cette vie, Seigneur. La vie qui ne vient que de toi et soupirer davantage. Mon Sauveur a aimé mettre ta parole en pratique, à vivre selon ta parole à toi. Tu nous enseignes, nous voulons que cet enseignement prenne place en nous, qu'elle soit vraiment dans chacun de nous, bénévole Père Saint-Dieu, et que nous prenons vraiment plaisir à pouvoir réaliser combien c'est une grâce et un privilège de ce que nous t'appartenons, Seigneur. Pas une ennui, mon bénévole Père Tibissant, mais vraiment un privilège extraordinaire, Seigneur Jésus. Beaucoup s'élassent, mon bénévole Père Saint-Dieu. Beaucoup se découragent, mon bénévole Père Tibissant. Mais la Bible nous dit que ceux qui se confient en l'Éternel, oh Dieu, ils prennent un vol comme des aigles, mon bénévole Père Tibissant. Oh Dieu, Père Tibissant, nous te disons merci encore. Aidez-nous, mon bénévole Père Tibissant. Nous voulons être à toi et pas, Père Tibissant, oh Dieu, s'élasser. Mais vraiment prendre courage, mon bénévole Père Tibissant, comme tu as dit. Ils étaient tous les jours, chaque jour assignés au temple, mon roi. Oh Dieu, rompant le pain, Père Tibissant, dans la maison. Et rendant gloire à ton Saint-Nom, mon Seigneur. C'est cela que nous voulons, cette vie, mon bénévole Père Saint-Dieu. Étant ramené à toi, mon bénévole Père Tibissant. Ne sois intéressé que par ce que toi tu veux, Seigneur. Nous te disons merci, mon Sauveur. Merci. Reçois notre louange encore ce soir, mon bénévole Père Saint-Dieu. Reçois notre louange, mon Seigneur. Dans ce jour de grâce, mon Sauveur. Tu nous as attirés à toi. Souviens-toi de mon frère qui s'affaiblit, de ma soeur qui s'affaiblit, qui se décourage, mon bénévole Père Saint-Dieu. Réveille, mon Sauveur. Nous te disons merci. C'est vraiment une grâce d'être dans ta maison, Père Saint-Dieu. Un privilège, mon Sauveur béni. David avait raison de dire qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs, mon roi. Je désirais être dans la maison de l'Éternel, notre Dieu. Oh, béni soit ton Seigneur. Louange à toi. Béni sois-tu pour toutes ces armes que tu as utilisées, mon bénévole Père Saint-Dieu. Je te remercie. Merci encore. Louange à toi. Honneur à toi. C'est vrai, Père. Sur ta grâce, mon Sauveur, je t'en supplie. Viens encore nous visiter, mon Sauveur. Nous avons cette soif, mon roi, d'être un peuple, Père Saint-Dieu, uni à toi et d'un seul cœur et d'une même âme aussi, mon Sauveur. Nous avons besoin de toi et nous te disons merci. Merci, Sauveur, en ce jour de grâce, mon Sauveur. C'est vrai. Même si les eaux s'est déchaînent, je le traversé avec toi. Père, tu domines, gloire à toi, les tempêtes, suis tranquille. Je suis tranquille. Oh Jésus.
Parce que tu es vivant, mon Seigneur Jésus. Que pourrons-nous faire les âmes, mon bénémoine Père Saint-Dieu? Aussi longtemps que tu es là, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous nous sentons protégés, nous nous sentons gardés, bénémoine Père du Missant. Père, nous importe, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Père, nous importe les aléas de la vie, mon bénémoine Père du Missant. Père, nous importe les difficultés de ce monde, mon bénémoine Père du Missant. Nous traversons toutes les épreuves avec toi, mon bénémoine Père. Nous te disons merci, oh Jésus-Christ, mon roi. Merci pour ces épreuves dans notre vie, Seigneur. Merci pour tout ce que nous traversons, mon bénémoine Père, oh Dieu. À cela, tu nous montres que tu es là, mon bénémoine Père Tibissant. Dans les épreuves que nous pouvons te voir agir encore davantage. Il fallait qu'il y ait le désert pour Israël, pour qu'il voit ta puissance à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je te remercie encore. Aide-nous que notre amour augmente vraiment pour toi, Seigneur. Que nous réalisons que tu es vraiment vrai, que tu es vraiment vivant, mon bénémoine Père Saint-Dieu, afin que notre foi soit toujours vivifiée et fortifiée par toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu, le Jésus toujours présent. Merci pour ce que toi tu fais pour mon frère, ce que tu fais pour ma soeur. Merci de m'avoir donné de tels frères et de telles soeurs, mon roi. Qu'il soit donc béni, mon bénémoine Père Saint-Dieu, et fortifié aussi, bénémoine Père Tibissant. Ne regarde pas leur faiblesse, mon roi. Pour ces enfants qui te chantent à la chorale, pour nos sœurs à la chorale, mon roi. Ne regarde pas les faiblesses, mon bénémoine Père Tibissant. Mais regarde aussi leur fidélité à ta parole, à toi, bénémoine Père Saint-Dieu. Soutiens chacun, mon roi. Aie pitié, mon roi, bénémoine Père Saint-Dieu. Fortifie ces jeunes sœurs, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et fais aussi, bénémoine Père Tibissant, ces enfants qui se donnent aussi à toi, mon bénémoine Seigneur. Nous avons besoin de toi, de les voir aussi grandir dans ta parole, mon sauveur. Oh, nous les traversons avec toi et nous te verrons de l'autre côté, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous avons la soif et la joie de pouvoir savoir que tu es là et tu es parti nous préparer vraiment une place. Bénis mes frères qui sont en Espagne, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que tu le bénisses tous, mon roi, que tu le fortifies. Tu connais mon cœur pour eux aussi, mon Seigneur. Je te remercie. Ceux qui sont aussi en Côte d'Ivoire là-bas, mes sœurs et frères aussi, Père Dieu, en France, Père Tibissant Dieu, partout, Père Tibissant, au Canada, aux États-Unis, Seigneur Jésus, dans tout le coin, là-bas, Père Tibissant aussi en Asie, dans différents endroits. Seigneur Jésus, mon sauveur, je t'en supplie. En Europe, partout, bénémoine Père Saint-Dieu. C'est ton peuple, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Dans le coin même le plus reculé là-bas en France, mon bénémoine Père Tibissant, à Loudun, bénémoine Père Tibissant Dieu. Oh, tu dis qu'il est dans ton Tibissant, Royan, partout, mon bénémoine Père. Ce peuple qui est à toi, dans Paris, Percy. Oh Dieu, dans chaque vie, dans chaque lieu, dans chaque endroit. Seigneur, tu as un peuple qui est à toi.
Nous te disons merci ce soir. Oh Dieu, dans chaque côté de l'Afrique, mon bénémoine Père Saint-Dieu, nous voulons oublier personne, mon sauveur, et tous ces frères et sœurs qui t'aiment aussi, qui te désirent aussi dans leur cœur. Et nous te disons merci. Merci vraiment pour cet élan de cœur et cette flamme dans notre âme. La joie de pouvoir t'avoir et de pouvoir te célébrer et encore aujourd'hui. Merci. Puisque tu es vivant, nous aussi nous vivrons également aussi. Garde ton peuple et soutiens chacun de nous pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Qu'aucun ne soit faible, Père. Qu'aucun ne puisse arriver à avoir souffert de maladie, Père. Que tu sois glorifié, exalté dans chaque corps, Père Saint-Dieu, de mon frère et de ma soeur, parce que tu l'es fait encore aujourd'hui. Je suis reconnaissant. Béni sois-tu encore dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Qu'il est bon de louer l'Éternel et d'être dans sa maison. Vous pouvez vous asseoir, mais nous le remercions pour ses bienfaits à notre endroit et la grâce d'être dans sa maison encore ce soir. Et parce que nous sommes venus de tout notre cœur pour que le Seigneur nous aide, qu'il nous soutienne et qu'il aussi continue à pouvoir nous conduire sur le chemin qu'il a lui-même tracé, où l'Écriture nous fait savoir que nul impur n'y passera. Seul, simplement, le racheté de l'Éternel seront. Nous lui sommes vraiment reconnaissants de tout notre cœur. Tout ce qu'il fait pour nous dans notre vie et dans notre vie. Son Saint-Nom soit donc béni et exalté. Je pense que la plupart de frères et sœurs ici, même s'ils sont aussi à l'étranger, notre frère qui était venu à la conférence internationale ici, donc il s'appelle Richard Gann de l'Asie, donc de Singapour, vous vous souvenez? Oui, notre frère est rentré à la maison hier. Et les obsèques sont donc aujourd'hui. Et je crois qu'il va être donc enterré aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa famille. C'était vraiment un précieux frère. Je crois que chacun de nous, nous l'avons connu ici. Il est même venu ici. Puis nous sommes allés aussi dans la salle aussi où il y avait donc, on a tenu donc la conférence. Et nous avons quand même passé de bons moments aussi. Et nous remercions Dieu pour tout ce qu'il fait, et ce qu'il continue de pouvoir faire, et pour l'assemblée aussi qui est là-bas. J'étais là-bas à Singapour moi-même aussi, je prêchais là-bas, dans cette assemblée. Et il y a des frères qui sont vraiment des précieux frères, et des sœurs aussi. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont dans une grande tristesse, mais nous prions pour eux, pour que les seigneurs vraiment puissent les soutenir et les fortifier, surtout que ce jour aujourd'hui, où il sera donc en principe donc enterré. Tendre Père et précieux Sauveur, nous te remercions vraiment pour notre précieux frère Richard Gann, Sauveur. C'est vraiment un homme qui t'a servi de tout son cœur, mon précieux Seigneur et Sauveur. Et c'est vrai, il ne lésinait pas sur le moyen pour pouvoir se déplacer. Il a pris position aussi. Pour ta parole, Père Saint-Dieu, malgré l'âge avancé, mais il y était toujours accroché. Je prie pour sa famille, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Je prie aussi pour ton peuple ici. Nous prions pour toute la famille entière et aussi, Père Saint-Dieu, pour l'Église qui est là-bas et qui est en larmes aujourd'hui d'avoir perdu un tel homme, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, que tu sois glorifié pour ce que tu as fait. Seigneur Jésus, il a été vraiment en bénédiction pour beaucoup. Et c'est vrai cela, Père Saint-Dieu, il a tenu position contre l'isme, Père Saint-Dieu. Il a pris position pour ta parole à toi, Père. Oh, merci pour ce que tu as fait. Seigneur, maintenant, il va se reposer pour pouvoir voir aussi sa récompense là-bas. Mais que souviens-toi de sa famille et aussi que pour l'Église aussi, qui est restée là-bas à Singapour. Nous te disons merci. Les décisions sont donc souveraines. Gloire et honneur à toi. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni pour toutes les bontés qu'il manifeste à notre endroit. J'étais dans la joie aujourd'hui, j'étais dans mon bureau et
Et c'est Frère Daouda qui est venu donc et par là. Et la joie était grande de pouvoir voir qu'il m'a amené quelqu'un dans mon bureau. Et c'est la sœur Lydia. Elle est ici, je pense. Que, oh, ma sœur, tu es où, ma bien-aimée sœur? Ah là là, elle s'est mise là-bas au fond. Lève-toi un peu qu'on te voit. Hein. Que Dieu te bénisse. Oui, je suis tellement dans la joie de la voir. Que Dieu soit béni de ce qu'elle est là aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés avec elle et sa sœur au Burkina, lors des réunions. Mais je sais qu'actuellement, elle habite en France. C'est en France que tu habites. Pardon? Oh! Ah, tu as fait les stops, mon Dieu d'amour. C'est la bienvenue, ma sœur. Elle reste un peu de temps et va, je crois qu'elle va partir effectivement là-bas aussi. Mais c'est merveilleux de pouvoir voir qu'elle tient toujours égard aussi la foi. Que le Seigneur soit béni, ma sœur, et nous remercions Dieu pour cela. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait aussi pour nous et toute la merveille qu'il accomplit effectivement dans notre marche avec lui. Vous avez aussi le frère Syriac qui m'a appelé pour me demander que Dieu bénisse notre frère Syriac. Il est vraiment merveilleux, hein, notre Seigneur, et pour ses enfants aussi. Il est reconnaissant au Seigneur, il m'a dit de pouvoir aussi vous remercier. Il m'avait appelé vers 2h du matin. Notre frère Syriac n'était pas vraiment très bien. En tout cas, il y a des frères et sœurs qui sont reconnaissants au Seigneur. Quand Dieu fait quelque chose, même si c'est... Alors, c'était vers 2h du matin, il a dit, mais pardon frère, je sais que c'est tard, mais je ne suis pas très bien, on a été à l'hôpital, on a fait tout, ça ne va pas, je suis rentré à la maison, bon, ça va passer, je pense. Il dit, mais ça ne passe pas, j'ai dit, en tout cas là, il faut que j'appelle. Alors, c'était à 2h du matin, il m'a appelé, et il n'était pas vraiment trop bien, il sentait que... Alors, je prie pour lui, que le Seigneur vraiment le soutienne et qu'il le restaure effectivement et qu'il nous le garde. Parce qu'on a toujours besoin des uns des autres aussi. Et le Seigneur l'a fait. Amen. C'est pour ça qu'il était vraiment... Quand j'entendais sa voix, quand il me parlait, parce qu'il m'a laissé le message, il dit vraiment, je remercie le Seigneur et un grand merci aussi pour tous les frères et sœurs, effectivement, aussi, pour ce que le Seigneur a eu à pouvoir exaucer les prières et agir aussi, effectivement. Notre Dieu est grand et il lui est vraiment reconnaissant. Donc, les frères aussi vous remercient. Il a remercié le Seigneur et il vous remercie aussi pour votre amour aussi. Vous savez, nous avons tendance à pouvoir, peut-être, bon, on regarde trop, mais vous savez que le Seigneur fait de merveilles. Amen. Et merci. Je ne vais pas lui demander de s'élever, hein, mais je vais quand même rendre son témoignage. Notre Seigneur a guéri aussi les cancers. Amen. Pas plus tard que mardi. Si, le médecin avait vu ses cancers et la sœur est venue me voir. Que Dieu la bénisse. Que Dieu te bénisse, ma sœur à moi. Que te bénisse beaucoup. Confiance dans la foi et croyez que le Dieu que nous prions est un Dieu capable même de guérir le cancer. Il est venu avec foi. Que Dieu bénisse aussi son mari. Oui, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas vous demander de vous lever. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Ils sont venus avec confiance. Je priais pour eux. J'ai dit que le Seigneur guérit toute maladie. Est-ce qu'on a tendance à pouvoir penser qu'il ne guérit pas le cancer? Et alors, il est parti donc à l'hôpital. Le médecin a regardé là où c'était le cancer. Il dit, mais madame... Je ne vois plus aucune trace de cancer. Tout, que Dieu te bénisse. Tout est bien. C'est parti. Il n'y a plus rien du tout. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Nous avons un Dieu qui fait beaucoup de merveilles. Vous ne savez pas ce que Dieu fait, même à l'étranger.
Le Jésus de la Bible que nous servons ici, il a la puissance. Amen. C'est parce que souvent nous sonnons par la trompette. Vous aimez les gens qui sonnent la trompette, c'est toujours du vide. Il y a des moments où le Seigneur priait, guérissait, il n'allait pas dire. Nous avons la puissance. Amen. Nous avons le Seigneur. Amen. Il fait de merveilles. Et si nous pouvons commencer à donner cela, je dis non pas. Vous savez, lorsque je voyageais, comme je voyage toujours jusque dans le monde entier, je ne disais pas grand-chose. Mais un jour, on m'a demandé, frère, nous voulons quand même savoir ton témoignage, effectivement, là, vous souvenez. Partout où j'allais, les gens se posaient la question, mais ce frère, la manière dont il agit, Dieu disait, mais qu'est-ce qu'il y a avec lui? Je disais rien. Il dit, bon, nous avons un témoignage, ça, mais les tiens, tu ne donnes jamais, donne-nous ton témoignage. Je ne voulais pas, mais c'est le Seigneur qui m'a dit, maintenant donne, vous vous souvenez, quand j'étais parti au Mexique, après, vous vous souvenez, non? Quand j'ai donné, j'ai dit, j'ai donné un tout petit peu. Mais ça créait l'explosion. Les gens se disaient, mais donc cet homme ici, Dieu guérit les malades. Il ressuscite même les morts dans son ministère, mais il dit absolument rien. Mais c'est vrai. Il y avait beaucoup que je vivais avec ici, mais qui ne savaient même pas tout ça. Mais quand les frères ont eu à pouvoir lire et entendre, ils disent, mais c'est incroyable. Alors la plupart, ils disaient, non, c'est pas possible. Que des choses comme ça, que Dieu le fasse avec un homme. C'est pas possible. C'est vrai. Comme je pouvais peut-être dire, c'est pas une fois ou deux fois, j'ai dit, et vous vous souvenez quand même de l'écriture. Souvent, ça, c'est quand même été aussi assez aussi poignant, du fait que j'ai lu une écriture qui est écrite dans la Bible, que tout le monde lit, effectivement, c'est écrit. Et une voix me vient, me pose la question, est-ce que ce que tu viens de lire dans la Bible là est conforme aux Saintes Écritures? Et pourtant c'est écrit. On est des hommes. C'est vrai, non? Et pourtant c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais la voix te pose la question de savoir si ce que tu viens de lire est conforme aux Saintes Écritures. Moi je suis qu'un homme. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et on te pose la question, est-ce que c'est conforme aux Saintes Écritures? Vous vous souvenez, non? Je regarde l'Écriture, j'ai dit non, Seigneur, et pourtant c'est écrit. Ceci n'est pas conforme. Parce qu'un fils de Dieu ne peut pas dire une telle chose. Vous vous souvenez? Et puis, deux prédicateurs sont venus de la France. Vous vous souvenez? Ils avaient un problème là-bas avec une écriture qu'ils ont lue chez eux. Alors, il disait, mais cette écriture aussi, la bonne version, elle est laquelle? Parce qu'il y en a deux versions qu'ils avaient lues. Et ils se posaient la question. Alors, ils sont tombés d'accord en disant que même bon, que la bonne version, elle est celle-là. Mais ce que nous lisons ici, il semble un peu bizarre. Et puis, bon, on dit, bon, nous voulons quand même aller voir le frère Léonard. Vous vous souvenez? Amen. Nous voulons voir, effectivement, ce qui va se passer quand il va lire l'écriture. J'ai pris la Bible, non? Je ne savais même pas ce qu'il savait comme problème. Il me dit simplement, frère, nous voulons seulement te demander que tu lises en fait tel chapitre, surtout tel verset. Et j'ai pris un chapitre et verset. J'ai lisé les chapitres et versets, mais en fait, je lisais, c'était écrit là, mais en fait, ce que je lisais, ce n'était pas ce qui était écrit. Vous vous souvenez? Amen. Alors ils m'ont regardé, ils m'ont dit, mais frère, lis encore l'écriture. Et j'ai lu très calmement, j'ai lisé l'écriture, mais j'ai lisé la bonne version qu'ils avaient lue quelque part. Il dit, non frère, lis encore l'écriture. Il a dit, lis quand même chapitre. Mais il dit, mais frère, je suis en train de lire. En fait, ils se sont arrêtés, il dit, mais frère, c'est quand même extraordinaire. Ce que tu lis là, d'abord, tu n'as pas lu exactement ce qui est écrit là. Parce que tu lis, c'est une autre écriture. Et puis il dit, mais cette écriture là, c'est écrit comme ça. Mais ce que toi tu lis, c'était la bonne version, ce qui est écrit, c'est la mauvaise version. Voyez-vous, frères et sœurs, nous sommes des humains. Mais Dieu peut prendre un humain, en faire quelqu'un, surtout en rapport avec les Saintes Écritures,
Dieu ne peut pas nous ramener à la parole sans nous donner le pouvoir. Non. Amen. La parole a l'autorité. Amen. Quand nous nous mettons dans la position dans laquelle Dieu veut, je répète encore, c'est ça qui a aussi troublé aussi beaucoup de frères qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as jamais dit ça? Vous souvenez, non? J'ai vu, frère, vous connaissez bien notre frère ici, Samuel, je le répète encore, sa femme a avorté trois fois, avorté, il a perdu le bébé trois fois. Et le frère vient devant l'homme, il dit, c'est moi, il pleurait, je dis, mais qu'est-ce que tu as? Il a commencé à pouvoir pleurer amèrement, il dit, mais prie pour moi pour que Dieu me pardonne parce que j'ai commis un péché, je ne sais pas quoi, mais perdre des enfants comme ça, trois, c'est beaucoup ça pour un homme. Je ne suis qu'un homme. J'ai dit, combien tu as perdu? Il m'a dit, j'en ai perdu trois. Puis je le regarde. J'ai dit, frère Samuel, si les dieux tout-puissants aujourd'hui te donnaient des triplés, je lui dis comme ça, si Dieu t'a donné les triplés, donc dire à quelqu'un qui vient perdre des enfants, et tu dis que si Dieu t'a donné les triplés, est-ce que tu vas accepter? Vous connaissez les frères, non? Il ne faisait pas attention parce qu'il se trouvait devant les frères Léonard. Il dit, mais qu'est-ce que le frère peut me dire? Il dit, mais vous vous rendez compte, pensez-vous que quelqu'un vous parle des triplés? Une personne que vous connaissez tous les jours, il va seulement dire, ah, on va pleurer ensemble. Mais la personne vous regarde et vous dit, tu as perdu trois, n'est-ce pas? Il dit, oui, j'ai perdu trois. Mais maintenant, si on te donne les triplés, c'est-à-dire on te redonne le trois, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que tu accepterais? Il dit, oui, j'accepte. J'ai dit, ta femme est où? La femme vient. J'ai dit, tu en as perdu combien? J'ai dit, tu en as perdu trois. J'ai dit, bon, maintenant, je demande à Thomas, si toi aussi, Dieu te donne les triplés aujourd'hui, tu vas accepter? Elle a dit, oui, vous connaissez. J'ai prié pour eux. On est des hommes, mon frère. J'ai prié pour eux. Quand la femme et le mari sont partis, elle a conçu, n'est-ce pas? Amen. Il est venu ici avec combien d'enfants? Trois. Trois bébés. Amen, amen. Nous servons le Dieu de l'homme possible. Nous ne nous trompettons pas ici en sonnant des trompettes, effectivement aussi, mais vous ne savez pas ce que Dieu fait. Vous ne savez pas la puissance qui se déploie quand on se met ici et qu'on prie à l'étranger. Les malades qui sont guéris. Amen. Les délivrances qui sont. Moi, je ne les trompette pas. Prions Dieu qui nous aide, qui nous soutienne et qui nous fortifie effectivement de manière à ce que nous puissions arriver à pouvoir avancer aussi. Les guérisons, les délivrances, les résurrections, il est fait. Amen, amen. Vous avez les témoignages ici, amen. Non pas une fois. Paralytique aussi. Les aveugles, je suis parti en Ouganda ici, vous connaissez? Demandez. Un aveugle est venu dans la salle. Je suis rentré. Tout le monde voyait ce monsieur, il ne voyait pas, il avait des lunettes noires, petit, attends. En train de prêcher, j'ai terminé, on me dit que bon, il y a des malades qui veulent que tu pries pour eux, spécialement cet homme aveugle. Vous connaissez? Cet aveugle s'est avancé. Et je me suis levé, j'ai seulement posé ma main et j'ai prié, on est sorti l'aveugle voit. Bien sûr que oui. Et l'aveugle a vu, ses yeux se sont ouverts et il pouvait voir effectivement. Bref. Nous implorons la grâce du Seigneur pour qu'il nous aide. Ce qui est le plus important, ce que Dieu veut, c'est sa parole en nous. Psaume 139, et puis nous prions avec vous. Je pense que c'est 138, pardon, oui, c'est ça, oui. Psaume 138. Ah, voilà. Psaume 138, il dit... Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. N'est-ce pas?
Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Vous vous souvenez ? Amen. Car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as donc tu as rassuré, tu as fortifié. Amen. Nous voulons te dire merci. C'est vrai, comme ce cantique le disait, 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Merci pour ces jours de grâce que tu nous as donnés, pour ta bonté, pour ton amour et ta grâce et tes compassions, mon sauveur. Louange et honneur à toi. Pour ce peuple, Père Saint-Dieu, qui t'aime tant, qui veulent marcher avec toi, qui te désire encore, et nous continuons à pouvoir marcher, à pouvoir te servir. Sois béni, sois glorifié, sois exalté. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est cela que nous pouvons comprendre dans cette écriture, dont je pense que, comme je l'avais déjà eu à pouvoir le dire il y a longtemps de cela, quand ils ont cherché à pouvoir traduire, effectivement, ils se sont un peu perdus dans le pinceau. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre cela, effectivement, aussi. C'est le verset qu'ils ont dit, car ta renommée s'est accomplie. Ce n'est pas exactement cela, vous le savez. Donc il dit que, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Nous comprenons maintenant, et comme les Saintes Écritures nous le montrent, effectivement, la Bible est toujours vraie. Et la manière dont les choses sont aussi exprimées. C'est pour ça que le Seigneur, notre Dieu, a toujours fait les choses que nous devons arriver à pouvoir comprendre. Il faut que chaque chose que Dieu a dit, hein, la parole que Dieu a prononcée, soit toujours gardée dans son contexte. Et quand c'est gardé effectivement dans le contexte effectivement dans lequel Dieu l'a donné, alors nous comprenons effectivement aussi la suite, parce que tout s'embrique effectivement, c'est comme un puzzle. La parole de Dieu est comme un puzzle effectivement aussi. Là, effectivement, puis se mettre comme ça, alors nous voyons la grandeur de Dieu. Notre... Et il est toujours parfait, merveilleux. Il dit, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Et c'est écrit comme ça, c'est vrai. Au-dessus de tout ton nom. Parce que si nous pouvons regarder dans les Saintes Écritures, et nous comprenons effectivement aussi que Dieu tient vraiment à sa parole. Jérémie chapitre 1, il dit, que vois-tu Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Il dit, tu as bien vu, parce que moi ici, l'Éternel, je veille. Je veille sur... Voilà. Et il dit aussi, quelque part, dans les psaumes, effectivement, il dit 33, je pense que c'est cela. Il dit, mais... Et dans Isaïe aussi 55, ici, il dit aussi que la parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas rentrer en moi sans avoir accompli les desseins pour lesquels je l'ai donc. Toujours la parole. Pour quelle raison? Parce que la parole a la puissance, le pouvoir de pouvoir transformer. C'est pour ça que nous voyons quand même dans les Saintes Écritures qu'on nous dit toujours que toutes choses ont été créées par aussi. Et c'est par la parole de Dieu que maintenant nous connaissons Dieu. Autrement, dites-moi. Bien sûr que oui. Parce qu'on nous dit bien qu'au commencement, c'est quand il y a eu le commencement maintenant qu'on commence à comprendre maintenant. Parce qu'avant le commencement, il y avait... C'est quand c'est Dieu, vous le connaissez là, est sorti de cette éternité
parce qu'il avait en lui donc l'esprit, donc c'est la tribu de Dieu en fait. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Un jour je disais cela, il dit mais comment tu peux dire, parce que avant on ne peut pas dire qu'il était Dieu. Ça a toujours choqué les gens. Frère, comment tu peux dire comme ça? Oui, mais parce que, bien sûr que oui, pour qu'il soit Dieu, il faut qu'il crée. Mais étant lui-même, il n'avait rien créé. Parce que puis bon, pour qu'il soit Dieu, il faut que nous soyons là pour l'adorer aussi. C'est ça qu'on appelle Dieu, mais il n'avait personne. Elohim, Dieu existant en lui-même. Vous comprenez ça? Donc maintenant, c'est quand il a donc créé, qu'il crée par quoi? Mais par un... Voilà. C'est maintenant, à ce moment-là, maintenant, cet attribut des créateurs s'est manifesté toujours par... Et maintenant, c'est par la parole de Dieu qu'on a su qu'il est l'onglet, l'éternel. Bien sûr, c'est la parole qui nous instruit qu'il est l'éternel. Je suis l'éternel, ton Dieu. N'est-ce pas vrai? S'il n'avait pas parlé, on ne saurait pas qu'il est éternel. Donc la parole est celle qui nous a fait connaître le nom. Vous voyez maintenant, mon frère et ma soeur, combien nous devons vraiment prêter toujours attention. Pas parce que les gens vous font des fumigènes. Hein. Ah, c'est pour ça que le Seigneur a dit, mais si on vous dit qu'il est là-bas, n'y allez pas. Où est-ce qu'on peut trouver vraiment les seigneurs? C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre les croyants et les élus. C'est ça le problème. Où est-ce que réellement vous pouvez trouver les seigneurs? Où peut-on le trouver, en fait? Il n'y a pas un autre endroit qu'on peut trouver le Seigneur, si ce n'est dans sa parole. Vous allez les chercher où? Dans les ciels? Sous la terre? Sur la terre? Vous devez comprendre ce que je vous dis, effectivement. Parce qu'en fait, vous pouvez chercher, les gens peuvent aller chercher. Bon, vous savez, les gens peuvent aller sur la montagne qu'on va chercher Dieu. Ils vont chercher dans les cavernes, ils vont chercher Dieu, effectivement. C'est la façon des hommes, effectivement, de pouvoir, effectivement, vouloir chercher. D'ailleurs, vous pouvez le voir aussi, pour que vous puissiez comprendre. Les catholiques ont fait des monastères. Et vous avez aussi des couvents pour les nonnes, les sœurs. Et dans ces choses, dans cet endroit-là, je suis vraiment touché de voir des hommes qui s'enferment, mais qui ne font que prier. Parce qu'ils veulent connaître la vérité, qu'on veut trouver Dieu, effectivement. Mais dites-moi, est-ce qu'ils ont déjà trouvé? Ils trouvent les lourdes, comme de Marie, qui est de Fatima, qui sort. Bien sûr que oui, ils vont trouver ça, mais ils vont trouver Dieu. Ils vont trouver Dieu où? Ils ont été dans les cavernes, sur la montagne, partout. Regardez très bien. Je vais très courtement, monsieur Nana. Lorsque vous regardez, par exemple, Israël, regardez l'absurdité, en fait, des gens. Chaque endroit où on a dit que Jean-Baptiste était passé par là, les catholiques sont partis, ils ont construit une église. Un endroit où il supposait que l'ange Gabriel était passé, il a parlé à Marie, là, l'église, ils ont... Regardez bien, très bien, là-bas, ils ont construit une église. Oh, Élie était passé, il s'est reposé sur cette pierre-là, ils ont construit l'église. Donc, vous en avez des monastères partout? Oh, ici, il avait parlé avec Marie de Magdala. Parce que tout ça, je vous dis, il a appris. Hein. Marie de Magdala, ils ont construit une église. Pour Marie de Magdala. Oui, bien sûr, Marie de Magdala. Oh, mais Pierre est passé ici, effectivement. Le pauvre Pierre n'a jamais été à Rome. On a construit une cathédrale à Rome. Enfin, il m'a dit, mais... Chaque endroit, on a construit une église, effectivement. Et les gens rentrent dans ces grottes-là pour chercher que, vraiment que Dieu se manifeste. Il n'y a rien.
Le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai donc trouver par vous, bien sûr, c'est écrit. J'ai toujours donné un exemple, mais il y a longtemps de cela. Je viens ici, je vous dis, frères et sœurs, je vous donne donc des pièces et des perles, effectivement, il dit, il faut que vous me trouviez des diamants ici dans la cour. Voilà la cour de parking, là. J'ai dit, il faut chercher des marchés, je ne sais pas moi quoi, mais vous devez creuser et que vous devez me trouver effectivement des diamants. Parce que pour trouver des diamants, on creuse, non? Eh bien, vous aussi, vous achetez des machines, on va creuser, là. On peut creuser, même jusque dans les bas-fonds, on va trouver des tuyaux. Et en dessous encore, on va trouver que les pierres, on ne trouvera jamais des diamants. Vous pouvez faire même 200 ans, 300 ans ici, en creusant. Vous ne trouverez jamais des diamants. Et pourtant, vous cherchez, comme tous les autres aussi cherchent aussi. Mais la différence entre les autres et vous, c'est que quand ils cherchent du diamant, ils ont d'abord tâté pour voir à peu près quels sont les signes qui montrent que dans ce secteur ici, on peut trouver du diamant. Ce ne sont pas des aveugles qui vont avec des pelles partout, ils vont creuser partout. Non. Il dit là. Quand je vois ça, je creuse là, j'aurai du diamant. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez chercher, frère. Mais vous cherchez mal. Pas l'endroit qu'il faut. Vous ne le trouverez jamais. Lorsque vous prenez ça, vous mettez là-bas. Et vous prenez vous-même, vous mettez devant. Il dit, madame, avec moi, moi, je vais trouver, vous pouvez tout faire, même 200 ans. Seigneur, je vais faire ceci pour changer mon caractère mauvais ici. Je vais le changer. Vous allez voir, maintenant, je vais me donner une discipline de pouvoir. Je ne veux plus rien faire. Vous pouvez faire tout ça 200 ans. Vous serez toujours pareil. Parce que vous ne faites pas les choses de la bonne manière. Vous n'utilisez pas effectivement aussi le moyen par lequel Dieu nous a donné. Pour que nous puissions. C'est ça, je ne vais pas être trop long, mais je vais m'arrêter. Mais c'est ça, mon frère et ma soeur, que nous comprenons. C'est tellement petit, mais ce sont des choses qui sont très importantes. Vous vous imaginez, frère bien-aimé, frère, juste simplement, un homme. Et regardez, ce qui est aussi merveilleux, c'est que cet homme ressemblait à tous les hommes. Bien sûr. Jésus, notre Seigneur, il était semblable à tous les hommes, les prophètes qui sont passés, tous les saints qui sont passés, bien sûr. Quand Israël pouvait regarder cet homme-là, il disait, mais quelle différence y a-t-il entre lui et les autres? Il dirait, mais les miracles, mais les autres ont fait les miracles aussi. Oui, bien sûr que oui. Quelle différence pouvions-tu avoir? Parce que bon, on le voyait de la même manière. C'est pour que vous compreniez effectivement que lorsque on ne prend pas la chose comme Dieu veut que ce soit, en fait, on peut tout faire, tous les efforts qu'on peut faire, ça n'aboutira jamais à rien. On peut même jeûner, on peut même s'écorcher les corps comme les autres le font. Hein. Les catholiques, ils font peut-être mettre des clous et tout ça avec la croix. C'est important, mon frère et ma soeur, parce que vous pensez qu'avec votre religiosité, vous changerez des choses. Effectivement, rien ne peut changer parce que c'est de vous-même. Or, le Seigneur, notre Dieu, a pourvu le moyen par lequel les choses peuvent changer. Et cela, d'une manière tout à fait simple, mon frère. Pour être bon, tu n'as pas besoin de pouvoir y avoir d'exercer à être bon. Non, il faut simplement qu'on applique effectivement ce qu'il faut, à la place qu'il faut.
Pourquoi nous ne changeons pas? Parce que nous n'appliquons pas la chose qu'il faut à la place qu'il faut. Nous prenons simplement des substituts, en fait. De ces choses-là, évidemment, c'est normal qu'on combat maintenant avec la chose qui est vraie. Quand j'ai toujours eu à pouvoir dire une chose, c'est un exemple que je donne. Bon, on va prier tout de suite. Donner à quelqu'un les arachides qu'on vend dans nos supermarchés ici, mélangés avec toutes ces saletés de sel et tout ça, tous ces... mais c'est vrai. Donnez-la. Fiche à nos enfants ici. Toutes les années, s'ils mangent que ça, 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 ils vont manger. Hein. Bon, les jours où vous allez, par exemple, dans un pays comme l'Afrique, le côté où on a de vrais arachides naturels, qui contient les vitamines B1, de vrais. Vous venez avec, vous les avez écorchés. Vous le mettez là, 10 enfants, prenez manger. Oui, vous en avez. Pour quelle raison? Leur constitution a été déjà mal habituée. De pouvoir manger cela, ils ne se rendent pas compte effectivement qu'ils ont détruit beaucoup leur corps avec des choses qui sont mélangées à des choses chimiques, effectivement. Mais quand vous lui apportez la chose naturelle, elle a difficile de pouvoir faire passer. Pour que la chose véritable en passe, il faut le faire vomir ou le faire. Bien sûr que oui. Il faut qu'il y ait un travail. Dans cette langue-là qui a été mal habituée à n'avoir simplement que du sel avec ceci et de cela, dont le corps a été... Vous savez, non? Donc faire un travail que l'enfant puisse maintenant être nettoyé. Alors maintenant, il peut apprécier ce qui est bien. Bien sûr. Et quand ce qui est bien placé à sa place, vous allez voir, regardez très bien, sa santé commence à pouvoir maintenant reverdir. Parce que les vitamines véritables qui est donc dans soi. Vous savez que Dieu a fait toutes choses. La terre que nous avons ici, ce sont des choses que Dieu a, c'est la chose que Dieu a faite. Et tout ce que produit la terre, c'est très bon pour le corps, en fait. Pas la machine. Pourquoi? Parce que l'homme a été tiré de la terre, s'il vous plaît. Donc le fruit, ce qu'on a ici de la terre, effectivement, évidemment, dès le temps, Dieu n'avait pas donné à manger la viande, hein. Je n'ai pas dit que vous devez être des végétariens, il faut comprendre que bon, vous pouvez. Mais j'ai dit, mais quand l'homme a été créé, il ne mangeait que l'herbe. Vous savez que l'herbe, c'est un médicament bon pour la santé. Ça ne détruit rien dans la santé, effectivement, dans le corps. Bien sûr, tous les fruits, tout ceci, effectivement, c'est très bon. Bon, je ne me sens pas pour cela, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, effectivement, que Dieu fait des choses qui nous... En fait, nous sommes tellement éloignés de la terre... On a fait, je ne sais pas moi, quel genre de culture qu'on mange déjà aujourd'hui, mais il est normal, mon frère et ma soeur, que les gens deviennent autant malades. Parce que nous n'avons pas pris la chose juste que Dieu nous a donnée pour la placer à sa place. On peut tout faire avec ce que nous avons comme des cultures, on sera toujours malade. Mais si c'est que nous revenons dans les choses naturelles, alors c'est sûr et certain que le corps ici, il faut d'abord qu'il soit vraiment nettoyé, hein. Parce que depuis des années, il n'a engrangé que des choses qui ne sont pas bonnes. Mais maintenant, s'il revient aux choses qui sont vraiment bonnes, parce que, vous savez, la bonne santé, Dieu l'a donnée à tout homme. Bien sûr, Dieu a donné la bonne santé à tout le monde. Il n'a pas créé quelqu'un et dit, mais je veux que toi, tu sois malade toute ta vie. Ce n'est pas possible. Et puis bien, vous mangez trop de choses. Vous aimez trop de choses qui détruisent votre propre santé. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, soutiens-moi. Oui, Seigneur, guéris, mais tu te tues toi-même encore. Il dit, mais change ta nourriture quand même. Non, j'aime comme ça. Il dit, bon, tu aimes comme ça, mais tu veux que je te guérisse. Je vais guérir, mais ton corps, là, il va encore recevoir la même chose. Parce que c'est tout ce que vous mangez qui détruit votre santé. Vous voyez, simplement, si nous comprenons en fait des choses, effectivement, je pense que, et que nous nous mettons dans la bonne position, nous savons que quand la chose de Dieu tombe à la place qu'il faut, c'est sûr et certain que la chose reprend aussi vie. Donc c'est comme nous le disions,
Dieu a fait en sorte que la parole de Dieu puisse être... C'est pour ça que nous voyons que dans les Saintes Écritures, David dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il dit, ta parole, vous me suivez bien ? Psaume 119, versets 1 et 5, il dit, ta parole est une lampe houssée. Lampe houssée. Est-ce que vous comprenez ça veut dire finalement une lampe à mes pieds ? Ce n'est pas parce que vous répétez ça comme ça, mais dit, mais est-ce que vous comprenez ? Parce que l'homme dit, mais ta parole est une lampe à mes pieds. Pourquoi a-t-on besoin d'une lampe, effectivement ? Mais c'est parce que quand tout est noir, je dois quand même voir comment avancer les pas, les pieds, pour comment m'avancer ou pour atteindre la maison où j'habite. Lampe, donc, ça m'éclaire, effectivement. Donc, la parole de Dieu, ses principes doivent être dans ta vie à toi, pour savoir chaque jour, chaque pas que tu fais, Seigneur, est-ce que, parce que Dieu fait toutes choses selon sa parole et avec sa parole. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si moi, je m'aligne effectivement à la parole de Dieu dans tout ce que je dois arriver à pouvoir faire, sans me sentir forcé, c'est sûr et certain, mon frère et ma soeur, ma vie à moi sera toujours un succès, une réussite, oui, c'est vrai, une réussite dans tout ce que je peux entreprendre. Maintenant, c'est important que vous puissiez comprendre cela, parce qu'on dit, ah, oh, je suis un fils de Dieu, j'entreprends tout, ça va réussir. Non, monsieur. Ça va réussir si tu le fais selon la parole de Dieu. Et que toi, tu agis aussi selon la parole de Dieu. Alors à ce moment-là, ben, le Seigneur bénira. Parce qu'il ne va pas bénir le méchant ni le voleur. Monsieur. Non, parce qu'on confond. Alléluia, fils de Dieu, ce que j'entreprends. Non, non, monsieur. Il faut que tu puisses entreprendre les choses selon la parole de Dieu. Alors c'est sûr et certain. La Bible dit que c'est la parole est un bouclier, non? Alors quand on fait selon la parole, rien ne va échouer. Même si la tempête peut s'élever, mais ça va toujours se calmer. Que Dieu soit béni. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur, ce soir nous voulons encore te dire merci pour ta bonté, pour ton amour et tes grandes compassions et pour ce que tu fais pour nous, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous nous réjouissons encore de la grâce que tu nous as donnée encore de pouvoir être encore ce soir dans ta maison, Père Dieu, et nous pensons aussi à tous nos frères et sœurs qui ont été aussi en connexion avec nous, Père, qu'ils soient bénis, qu'ils soient aussi fortifiés, mon Sauveur. Nous réalisons combien, Seigneur, c'est chaque jour, tu nous montres combien il est tellement si important, Sauveur béni, de faire tous les efforts à méditer ta parole à toi, à pouvoir vraiment nous conformer à cela, à vivre réellement, Père Tout-Puissant-Dieu, selon toi, parce que tu es vraiment vrai. C'est vrai, Père. Maintenant, nous comprenons, nous réalisons que ce n'est plus une obligation pour nous, Père Saint-Dieu, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir tout faire, nos efforts, pour que nous puissions vraiment nous conformer vraiment à ta parole et de faire en sorte que notre corps, notre cœur, notre pensée et ce que nous sommes, Seigneur Dieu, par ta grâce à toi, nous puissions vraiment nous conformer. Alors nous crierons, tu diras, mais voici. Alors nous prendrons temps pour nous acquérir, tu béniras, béni mes Père Saint-Dieu, parce que tout cela, nous le faisons selon ta parole à toi. Et nous sommes de cela, comme tu as dit à Josué, béni, médite ma parole jour et nuit, et agis fidèlement selon donc ma parole. C'est ainsi que tu réussiras donc dans tout ce que tu entreprendras, mon Sauveur. Viens-nous en aide, mon bénémoine Père Saint-Dieu, que nous appliquons ta parole à toi de la bonne manière. Non pas comme nous pensons l'appliquer pour notre confort à nous, Père Tout-Puissant, nous appliquons comme toi tu le veux. Alors nous réussirons, Sauveur. Bénis ton peuple, Père Tout-Puissant. Ravive encore les dons, encore davantage, mon roi. Nous voulons te dire merci. À toi la gloire, à toi l'honneur. Béni soit ton Saint-Nom pour ce que tu as fait pour nous ce soir. Louange à toi, souviens-toi notre précieux frère Zaché. Qu'il soit béni, mon roi, qu'il soit fortifié et en bonne santé. Garde-les-nous longtemps, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Oui, Père, voilà le mot qu'il a pour toi. Je t'en supplie. Merci. Merci pour ce que tu as toujours fait, ce que tu as fait au travers de lui encore pendant ces jours. Nous avons vu ta main, Seigneur. Continue encore, mon roi. Garde-les, Père Saint-Dieu. Merci pour la chorale. Merci pour les âmes, toute l'assemblée. Oh, Père Tout-Puissant, qu'il est soutenu dans les champs, mon béni, mon Père Tout-Puissant. C'est merveilleux de voir ce peuple, Père Saint-Dieu. Mon âme te loue, mon âme te glorifie et t'exalte encore ce soir. Merci pour la présence de chacun, car j'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour tes bontés dans ma vie, ton âme.
reçois ma louange. Merci. Toi qui connais.